Exercice type numéro 2, trouver une vitesse moyenne. Voici l'énoncé. Une voiture parcourt 312 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h? Donc, soit je trouve directement le résultat qu'il faut parce que j'ai l'habitude, soit je suis un petit peu perdu et j'écris un tableau de proportionnalité. Comme la vitesse est en km/h, je vais d'abord écrire les distances sur la première ligne en km, 312, et les durées sur la deuxième ligne en heures. Et comme c'est 312 km pour 3 heures, je mets bien 3 heures pour la durée. Je cherche la vitesse. La vitesse est la distance parcourue en 1 heure. Donc, comme c'est un tableau de proportionnalité, je trouve facilement que pour passer de 1 à 3, je divise par 3. Et donc, sur l'autre ligne, je fais la même opération. 312 divisé par 3, je prends ma calculatrice où je fais de tête, je trouve 104 km. C'est 104 km parcourus en 1 heure, donc la vitesse moyenne de la voiture de 104 km par heure. Je vous ai mis aussi le calcul pour ceux qui aiment bien faire la quatrième proportionnelle. Voilà, c'est fini.